Un avion de la Royal Canadian Air Force CP-140 Aurora effectue actuellement une mission de reconnaissance au-dessus d'Haïti. C'est l'ambassadeur du Canada en Haïti, le diplomate Sébastien Carrière, qui a confirmé l'opération dans un tweet. L'avion militaire contrôle l'espace aérien du pays dans le but de cartographier les quartiers occupés par des gangs afin de soutenir les efforts de la PNH à y rétablir la sécurité, selon le diplomate. C'est quoi exactement la CP-140 Aurora? La Royal Canadian Air Force, RCAF, est l'une des trois branches militaires du Canada chargée de la défense aérienne du pays. Le CP-140 Aurora est un avion de reconnaissance maritime et de patrouille maritime utilisé par la RCAF. Il a été conçu pour effectuer des missions de surveillance et de reconnaissance, y compris la surveillance de la zone économique exclusive du Canada, la lutte contre la criminalité maritime et la protection des ressources maritimes. Le CP-140 Aurora est équipé de systèmes avancés de collecte de renseignements, de communication et de navigation, ce qui lui permet d'effectuer des missions efficacement et en toute sécurité. Le CP-140 Aurora est un avion de reconnaissance maritime équipé de systèmes avancés de collecte de renseignements, de communication et de navigation. Il comprend des systèmes de détection radar pour surveiller les activités en mer et sur la terre ferme, des systèmes de reconnaissance électronique pour collecter des renseignements sur les communications et les activités ennemies, des systèmes de télédétection pour obtenir des images de la surface de la mer et du littoral, des systèmes de communication pour transmettre les données collectées à des unités terrestres et navales, un équipement de navigation avancé pour permettre une navigation précise en mer et en territoire ennemi, des systèmes de défense électronique pour protéger l'avion contre les menaces ennemies. En résumé, le CP-140 Aurora est un avion polyvalent et hautement équipé qui offre une capacité de reconnaissance maritime supérieure pour la RCAF.